La zone située au bord de la rivière Ter bénéficie de la protection du réseau Natura 2000 Ribas del Baix Ter, considéré comme un espace d'eau continentale. Il est important de savoir qu'en Catalogne, il n'y a que deux zones de pêche continentale ouvertes toute l'année. Une se trouve dans les Pyrénées de Lleida et l'autre dans la zone où la rivière passe au travers de la municipalité de la Sella. La pêche sportive sans mort de la truite est autorisée toute l'année et elle attire de nombreux visiteurs de Barcelone, de la région du Vallès, des régions centrales de la Catalogne ainsi que d'autres régions d'Espagne et du sud de la France. De plus, la zone de la rivière Ter du Pastelal fait partie de la Ruta del Ter. C'est une route créée par le consortium Albater qui regroupe les Pyrénées et la Costa Brava et permet de connaître la rivière en partant d'Ulls de Ter à 2200 mètres jusqu'à son embouchure dans la mer Méditerranée, dans la Gola del Ter, qui se situe dans la municipalité de l'Estartit. À la limite entre la Sella et la municipalité d'Anglès se trouve l'Aigua Baretx, d'où la Riera d'Osor unit ses eaux avec le Ter. La beauté de cette zone est due à l'union des deux rivières avec des eaux tranquilles et une végétation typique des bois de rivage. La vue du bois du rivage del Ter, avec sa variété de couleurs, ses différents types de végétation et ses contrastes de lumière font de cet endroit un lieu unique pour profiter de la nature.